Gabonais, Gabonaises, partisans de la liberté. Je viens à vous une fois de plus afin de vous livrer un message très important. Ce message se résume sur deux mots: insurrection citoyenne. Mais avant de vous parler de ce message, je souhaite d'abord faire un petit bilan. Un bilan de l'action politique, économique, du système et régime politique dictatorial qui est à la tête du pays aujourd'hui. Ce bilan se résume à une seule chose, je dis bien une seule chose, la négativité. Ce régime a non seulement usurpé le pouvoir après les élections turques de 2009, le premier bilan de ce régime a été de mater le peuple gabonais qui réclamait le droit de son vote. Vous tous, vous avez vécu les événements de Port-Gentil qui ont donné un bilan de 5 morts. Cela est inacceptable car jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune enquête pour mettre à la lumière ce massacre qui a été perpétré par des éléments infiltrés dans notre armée. Ce même régime en place a mis à la tête de nos institutions des expatriés qui dirigent aujourd'hui le Gabon d'une main de fer, avec tous les excès que nous savons tous. Je pense vous dire, peuple gabonais, qu'il n'est plus question d'accepter cela. Je pense qu'il n'est pas question de permettre le triomphe de l'impunité. L'impunité doit disparaître. Il n'est pas question de continuer à cautionner des massacres, des tueries des Gabonais, partisans de la liberté. Le régime politique qui dirige notre pays a mis en place une véritable machine à tuer. Vous le savez clairement, à travers le phénomène des crimes rituels. Personne n'est inquiété. Nous disons que cela est inacceptable. Le régime politique qui est à la tête de l'exécutif a mis en place une politique d'expropriation. Nous avons tous vécu cela, car de nombreux Gabonais ont vu leurs biens détruits par ce régime politique. Nous voyons chaque jour comment des étudiants sont emprisonnés, bâillonnés. Nous voyons chaque jour comment ce régime ne respecte pas les droits de l'homme.
Cela est inacceptable. Nous voyons aussi tous les jours comment ce régime dépense les biens du peuple gabonais à travers des campagnes de propagande. Nous avons tous vu le festival des Brésiliennes, les courses nautiques, les matchs de football, les concerts à Paris. Tout ceci pour environ 25 millions d'euros. Cela est inacceptable. Au dernier sommet des Nations Unies, le dictateur à la tête du pays a prouvé aux yeux du monde qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche et des fonctions qu'il occupe. Cela est une humiliation. Je dis bien une humiliation du peuple gabonais et de tout un continent. Je demande personnellement à ce dernier de démissionner. Cette main tendue, nous n'allons pas la répéter. C'est la dernière fois que nous lui tendons la main de partir librement. Nous disons, le mouvement Gabon Debout s'est engagé. S'est engagé vers une voie, l'unique voie qui peut permettre de libérer le peuple gabonais. Cette voie, c'est une insurrection citoyenne. Et nous appelons tous les Gabonais, quelle que soit la religion, quel que soit le sexe, à s'engager pour l'avenir de nos fils et de nos petits-fils. C'est un devoir citoyen. Car lorsque un peuple est bâillonné, lorsque des élections sont truquées, lorsqu'on ne respecte pas les droits de l'homme, la seule chose qui reste à un peuple pour se libérer, c'est une insurrection, une révolte populaire. Les Nations Unies sont avec nous. Les pays industrialisés vont nous soutenir. Les puissances occidentales sont avec nous. Peuple gabonais, revendiquons ce qui doit nous revenir. Je pense que tout ce qu'il y avait à définir a été défini. Nous n'avons plus droit à rater cette occasion ni cette opportunité qui nous est offerte de nous libérer de cette dictature vieille de près de 50 ans. Peuple gabonais, je n'ai pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Je vous demande simplement d'agir, de vous engager. Car il n'y a pas une autre voie, c'est la seule et l'unique voie de retrouver la parole, de retrouver la liberté, d'être respecté. Pour cela, je dis qu'il est temps d'agir. Quand je parle d'agir, c'est simplement parce que la décision vous appartient. Tous, autant que vous êtes, quel que soit l'endroit du globe où vous vous trouvez, c'est seul vous et vos compétences réunies qui permettront d'abattre ce régime dictatorial. Le plan est simple. Il faut chasser le dictateur.
Il faut détruire et éradiquer son parti politique qui le soutient. Comment y arriver? Simple. Il faut se lever et dire non. Il ne faut plus respecter les lois et les recommandations de ce régime. C'est simple. Il faut gréver pacifiquement jusqu'à ce que ce régime s'en aille. Il faut résister à l'appât du gain facile. Il faut coordonner toutes nos actions. Voilà comment il faut agir. Partisans de la liberté. Je ne pourrais terminer sans faire cette mise en garde qui est tout à fait claire. Je tiens à dire à certains fonctionnaires de notre armée, certains fonctionnaires et magistrats de notre justice, de prendre conscience de l'urgence et de la gravité des événements. Les personnes qui chercheront à entraver cette insurrection citoyenne, qu'ils sachent qu'ils seront jugés. Je mets également en garde certains opérateurs économiques opérant dans notre pays. Il n'est plus question de soutenir cette dictature. Vous avez la responsabilité de ne plus soutenir cette dictature. Partisans de la liberté, la victoire est à nous. Cette victoire est une victoire spirituelle, politique, économique et sociale. Je ne serai terminé sans remercier toutes les personnes, tous les fils et filles de notre nation qui luttent à travers le monde, dans nos villages, dans nos villes, dans toute la diaspora, afin de libérer le Gabon. Engageons-nous, agissons, partisans de la liberté. Le chant de la victoire sonne dans ma tête. Gabon debout, Gabon debout, partisans de la liberté. Nous devons aller de l'avant. Nous devons marcher tous ensemble, main dans la main, afin de conduire à terme cette insurrection citoyenne. Je prends conscience de la réalité. Je pèse les mots. Je crois au peuple gabonais souverain. Je crois au peuple gabonais libre. Je vous remercie.